Thank you.
génération. Pour les intellectuels maintenant, tu es peut-être donc ces gens qui ont réfléchi avant d'agir. Pour toutes les personnes qui réfléchissent avant d'agir, vous êtes peut-être soit quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un de logique, quelqu'un qui peut sembler froid au premier abord, mais quelqu'un qui aime bien comprendre et apprendre, quelqu'un qui a beaucoup de patience. Tu peux être quelqu'un qui est toujours là pour ses amis, quelqu'un de très loyal, quelqu'un qui unifie des groupes. Ou tu peux être quelqu'un, ce qu'on appelle le généraliste, quelqu'un qui profite de la vie, qui vit le jour, quelqu'un qui déteste la routine, mais qui s'ennuie pas toujours de ses activités en poche. D'accord, tu peux faire partie de ça. Ensuite, on a les actions. Donc c'est les gens qui ont fait une action d'abord avant de réfléchir, avant. Oh mon dieu, il y a d'autres mecs qui se battent, j'y vais. Alors, tu es soit leader, soit un leader, soit un médiateur, soit un perfectionniste. En gros, si tu es quelqu'un qui a choisi l'action, tu seras quelqu'un soit qui ne va pas passer par quatre chemins, tu vas dire les choses telles qu'elles sont. Tu es quelqu'un de plutôt honnête, tu es quelqu'un qui fait un petit peu sa loi, d'accord? Tu es quelqu'un qui se laisse pas forcément faire, mais qui connaît ses limites. Ou alors t'es quelqu'un qui déteste la violence et justement tu fais tout pour éviter tout ça, d'accord? T'es quelqu'un qui a tendance à bien cerner les gens et à bien les rapprocher. Ou alors t'es quelqu'un de très original, quelqu'un avec très ouvert d'esprit également, quelqu'un de très organisé. Donc tu fais partie d'un de ceux-là, si tu as dit que tu étais dans l'action. Donc tu vas pas bien reconnaître les trois centres différents, émotions, penseurs et actifs. Donc on a trois zones différentes, et après dans les zones, il y a trois caractères différents, et peut-être que tu es dans une de ces trois. D'accord. Tu peux être émotionnel, mais dans l'émotion, il y a trois caractères différents. Tu peux être penseur, mais dans le penseur, il y a trois caractères différents. Et dans l'action, il y a trois caractères différents. Je peux te les citer si tu veux. Dans l'émotionnel, il y a l'aidant, le combattant et l'artiste. Dans le penseur, dans l'intellectuel, on a le penseur, le loyaliste et le généraliste. Et dans l'action, on a le leader, le médiateur et le perfectionniste. D'accord? Donc tu fais forcément partie d'un de ces neuf. Mais déjà, on connaît un petit peu si t'es émotionnel, penseur ou actif. Donc on sait à peu près te ranger quelque part. Donc garde cette idée en tête. Garde la chose dont tu le sais. D'accord? Si tu es émotionnel ou pas, garde-le en tête. Déjà parce que ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi. D'accord? Si tu te sens quelqu'un comme faible, non, t'es pas faible, tu es sensible, tu es émotionnel. C'est pas pareil, et ça c'est une très grande qualité. Si t'es quelqu'un qui a tendance à beaucoup trop réfléchir, c'est que t'es quelqu'un d'intellectuel, et ça c'est une très bonne qualité. Pourquoi? Parce que la patience, c'est de l'art. Et puis, troisième chose aussi, l'action. Quelqu'un un petit peu qui... Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner à tous les gens qui sont dans l'action, laissez parler votre innocence, laissez parler quelque chose de... un peu comme votre enfant qui est en vous. Et parfois, ça peut vous jouer des tours, être trop dans l'action.